Je m'appelle Souad Hidraoui, je suis algérienne, je suis ici dans le cadre d'Erasmus pour 6 mois. Je m'appelle Marguerite et je suis étudiante internationale à Neoma. Où ils ont organisé un escape run aujourd'hui. Mon équipe c'était les Blancs, Flaubert. On est parti à 17h. Il faut savoir qu'on est rentrés les derniers parce qu'on a fait 1h39. Alors que les autres, ils avaient fait genre 37 minutes, 39 et tout. On a autant duré déjà parce qu'on a pris notre temps, on a marché. Donc j'ai un peu redécouvert grâce à ça, Rouen sous un autre aspect. Et ça m'a donné un peu plus envie de visiter la ville. En bas de l'escalier, le code ne devrait plus être long. Bon gendarme. Alors du coup là, on vient de se rassembler en équipe pour faire un point sur les énigmes. On a répondu aux énigmes. On a placé les lieux sur la carte de Rouen. Et maintenant, on va se rendre devant chaque lieu pour se prendre en photo tous ensemble. Voilà. Bah du coup là, maintenant qu'on a résolu les énigmes tout ça et fait notre itinéraire, on cherche les lieux et on a un code aussi à prendre en photo qu'on doit envoyer au gérant et après le but c'est de revenir le plus vite possible. Pixel, c'est une association dédiée aux arts numériques. Donc on fait plusieurs événements, actions culturelles avec plein de publics différents. Et ce soir, du coup, pour la Nuit des étudiants du monde, on a proposé plusieurs jeux vidéo collaboratifs. On a imaginé en fait que les personnes qui allaient venir soit ne se connaissaient pas, soit ne parlaient pas la même langue, etc. Voilà, l'idée c'est aussi de faire découvrir d'autres jeux, des jeux indépendants. Yes. Et puis, qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau à la suite de cette soirée? Alors déjà, on a un petit plan de Rouen. C'est un thermos, je crois. Ouais, on a un thermos. Attends, je montre l'objet déballé. Voilà. Un petit guide touristique en anglais, comme on parle super bien anglais. Et on a eu un petit sac tote bag comme ça.